Bonjour à tous, c'est Kirito de Soladan France. Je vous retrouve aujourd'hui sur Alicization Rising Steel pour vous faire la multi-invocation du portail Kirito Shinon GGO. Donc, on va aller voir. Non, c'est pas Quest, je dis n'importe quoi. On va aller voir. Donc, c'est juste en dessous, c'est Scout. Voilà. Donc, oui, j'ai aussi ma single que j'ai pas faite hier. On commencera par la single. Donc c'est ce portail-là, nous, qu'on va se concentrer, bien sûr. Et puis, bien sûr, la multi-invocation arme. Donc ici, on a donc du coup le personnage de Shinan qui fait intégrer du coup les armes au fusil. Du coup, c'est parce qu'on n'avait pas encore de personnage au fusil. Donc c'est la première qui ajoute donc une nouvelle spécialité d'armes dans le jeu Alicization. Au niveau des stats, on est à 2300 d'attaque, une défense à 1098, attaque magique à 1800, 1218 de défense magique, voilà, 720 de critique et 296 de speed. Ici, ah, le Kirito, lui, il a l'air beaucoup plus rapide déjà. 311 de speed, 250, enfin 2050 d'attaque et 1800 d'attaque magique. Donc, Shinan est un peu au-dessus au niveau des stats d'attaque et attaque magique. En défense, elle est un petit peu plus haute aussi, Shinan, en termes d'attaque magique. Sinon, en termes d'attaque physique, c'est plus ou moins kiff-kiff. Même si elle est un peu plus au-dessus, la Shinon. En termes de critique, il y a juste Kirito qui est un peu plus rapide, c'est tout. Mais sinon, toutes les stats sont plus élevées du côté de Shinon. Voilà. Shinon, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un break. Donc, snipe, shoot, B, plus. Ça fait attaque, frappe forte sur un seul ennemi et baisse la résistance physique, moins 20%. Donc ça baisse la défense ennemie en gros. Et ça brise la volonté ennemie de 50%. Ensuite, elle fait un assaut qui fait attaque de frappe sur un ennemi. Mais cette fois-ci énorme. Et charge la volonté de 10%. Et enfin, elle heal. Alors elle se heal sur soi-même. Et augmente son attaque de 20%. Donc en fait, elle va être bien en mono-cible en fait. Voilà. Et pour son attaque finale, donc The End, c'est une attaque de frappe de volonté sur un seul ennemi. Voilà, donc c'est vraiment les personnages mono, enfin un personnage mono-cible. Le Kirito, je sais pas encore. On va voir. Donc lui, il fait une charge. Donc attaque tranchante sur un seul ennemi, charge la volonté de 20%. Attaque tranchante, enfin. Là, c'est un assaut, voilà. Donc, attaque tranchante sur un ennemi, donc, cette fois-ci, elle est énorme et brise la volonté ennemie de 25%. Ok. Et résistance magique sur tous les alliés pendant 3 tours. Ok, donc augmente la défense magique sur 3 tours. Et enfin, sa compétence finale, hein, donc de volonté, sa super attaque et c'est à ce combat, voilà. À ce combat et attaque tranchante de volonté sur un seul ennemi. Donc ouais, voilà, c'est vraiment des personnages qui sont mono-cibles, hein, on le voit. Ok, d'accord. Donc bah écoutez, d'ailleurs là, ah oui, les tickets de recrutement sur Bakercoolie et l'IFA sont aussi ouverts. Ok, donc on verra ça plus tard. Bah de toute façon. Il n'y a pas de secret, là on est sûr d'avoir un des deux, donc ça sert à rien de voir ça. Donc du coup, déjà là, avant de commencer donc cette invocation, on va faire la petite single, voir déjà si on a de la chance avec la petite single. Si on peut déjà récupérer un 4 étoiles en vidéo, ce sera encore mieux, parce que hors vidéo, j'ai chopé que des 3 étoiles et un ou deux, parce que ça doit être le cinquième, je crois qu'on fait là à peu près. Ouais, j'ai chopé 2 étoiles et après que des 3 étoiles, donc c'est... C'est pas terrible. Voyez, il fait pas demi-nuit, il fait rien là, donc pas d'agrandissement de bulle. Rien ne me prouve que j'aurai un 4 étoiles sur ma single.
Et voilà, bon, c'est un 2 étoiles. Bon, voilà, hop, ça c'est fait. Donc, pas de chance sur la single du jour. Très bien. Maintenant, on est parti sur le portail. Donc, le dernier portail, on avait eu la Aedis. J'ai pas de personnage non élémental 4 étoiles, mis à part la Aedis gratos qu'on avait eu au tout début du jeu, avec le cache-œil. Maintenant, sur Alice Season Rising Steel, on est plus ou moins chanceux, parce qu'on a quand même eu pas mal de 4 étoiles sur les 125, enfin à chaque fois sur les tirages à 125. Parce que j'ai jamais fait de tirage à 250. Voilà. Donc du coup, après, bien sûr, on fera les armes. Et donc les armes, si on s'obstine, il faudrait absolument avoir une arme qui serait donc tentée d'avoir le EKT2. Ou d'avoir, et pour Kirito, bah, j'ai des épées déjà en réserve, mais pas forcément non élémentales. Donc, on y va, c'est parti, invocation, go. Est-ce qu'on va avoir de la chance aujourd'hui pour avoir un des deux personnages? Ou non? On touche l'écran. Voyons voir si l'incubateur est rempli. Ah, et pas terrible l'incubateur là. Hein. Pas de demi-nuit. Bon, je pense que bah là, rien ne me prouve que j'aurai un 4 étoiles, même si ça peut arriver. Il n'y a pas de lumière violette dedans. Là, je pense que c'est pourri. On va avoir une multi-invocation pourrie. Il n'y avait pas grand-chose, donc il n'y aura rien, je pense. Même si parfois ça peut arriver qu'il y ait quelque chose derrière. Mais là, au vu de tous les éléments qu'ils nous ont montrés. C'est pas terrible du tout. Par contre, là, il y a déjà pas mal de 3 étoiles. Deux étoiles. Encore une 3 étoiles. Oh, la Lisbeth, là, j'avais pas encore eu en 3 étoiles. Voilà, on a déjà eu aussi. Voilà, je pense que c'est la dernière. Voilà, bon. Bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 étoiles. Et 1, 2, 3, 4, 5, 2 étoiles. Bon, c'était mitigé sur mon invocation. Donc, rien. Rien, encore une fois. Bon, bah, entre deux, je tenterai peut-être quelques singles à 25. Parce que moi, c'est encore pas mal de choses à voir. Par contre, on va quand même faire le recrutement d'armes à 75. Donc c'est parti, on y va. Est-ce qu'on aura un peu plus de chance sur les armes ou non aujourd'hui? Là c'est l'épée du Géo. Le cran là il est bleu. Pas de lumière violette. Bon, rien ne me dit que j'aurai une 4 étoiles encore ici. Donc des étoiles. 2 étoiles. 3 étoiles. 2 étoiles. Ouais, je pense qu'il n'y aura rien non plus sur celle-là. Ah, mais quand même des armes 2 étoiles qu'ils ont. Ils ont rajouté quand même quelques armes 2 étoiles quoi, en termes de sniper pour cas où si même si on chope pas les 3 étoiles, qu'il y ait des armes 2 étoiles quand même à mettre sur le personnage. Voilà, je crois que c'était la dernière là, non? Là, il reste encore une. Ok. Ok, bah l'arme aussi était pourrie. Donc, pas de chance du tout sur Alice Season Rising Steel aujourd'hui. Que dalle, comme on dirait. Et bah écoutez, tant pis. Voilà, c'est comme ça. On peut se faire peut-être un petit point sur les stats de Bercouli et de Lifa quand même en regardant. Comme ça. Alors, le Bercouli. Bercouli, lui, il y a un assaut 1700 d'attaque, 1500. Bon, on voit que c'est des personnages gratuits, parce qu'en termes de stats, ils sont beaucoup moins élevés qu'un truc de portail.
Hein? Mais bon, ça peut toujours servir. Là, il augmente l'attaque de 20%. Il y a un break de 47,5%. Peut provoquer l'ennemi sur deux tours avec une attaque tranchante sur un seul ennemi. Et pour l'IFA. Alors, l'IFA, elle a un heal. Mais là, donc 1700, 1500, 1000, ouais, 900, un speed 297. Alors, elle a un heal, soigne tous les personnes, enfin tous les alliés faibles, mais guérit aussi les éléments. Une guérison des éléments de feu. Ah, je sais pas, peut-être que quand on est en. Vous savez, on a une espèce de poison, enfin c'est pas vraiment du poison, c'est que comme pour l'attaque du Geo ou de Ronnie, quand on fait une attaque, il y a une certaine attaque qui enlève des PV au tour par tour. C'est peut-être pour enlever ce truc-là si un ennemi nous le met à nous. Attaque tranchante sur les ennemis fortes, charge volonté de 10%, résistance magique sur tous les alliés, 2 tours. Danse de l'âme, attaque tranchante de volonté sur tous les ennemis. Ok. Donc là, bah, à vue d'œil comme ça, ils ont pas l'air ultra ouf, quoi. C'est des persos plus ou moins gratuits, quoi. Mais bon, la Leafle se prend parce que c'est un personnage feu, donc personnage feu, on n'en a pas des tonnes. Et Berkoulis, elle faisait que sur un seul ennemi, son attaque. Voilà. Donc voilà, donc c'est ici qu'on va s'arrêter, hein. Du coup, pas de chance du tout aujourd'hui, rien, pas de drop, que dalle, ni sur les armes, ni sur les personnages. Donc c'était Kirito et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Salut, salut!